Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire passer un message avec le Dixit. On me dit que c'est important. On me dit pour un jeune homme seul sur une plage. On me dit en vacances, avec des amis. Et on insiste sur des crabes. Et j'entends ce mot proche. Trois personnes. On me parle de cheveux marron foncé. J'entends également brun de peau. On va voir de quoi il en retourne. Je rappelle pour les personnes qui souhaiteraient me contacter que toutes les infos sont dans la présentation de la chaîne. Vous avez le lien soit vers Instagram ou le site de réservation. La carte, première carte, je vous montre les autres. Alors, on insiste sur un groupe, sur l'aspect photographie, mais de plusieurs personnes. La carte. J'ai l'impression ici, j'entends ce mot guidance quand on vous apporte des informations, que ce soit par le biais des intuitions ou même du rêve. Et j'ai cette idée d'aveuglement. Aveuglement malgré le fait qu'il y ait cette guidance. J'ai ce ressenti qu'on vous prévient, on vous met en garde par rapport à votre guidance, mais que vous y allez quand même. Et on me montre que les conséquences pour vous ici, c'est le cœur brisé et la nécessité de faire des soins par la suite. C'est comme si, comment dire, ce qu'on vous mettait en lumière ou on vous recommandait de ne pas faire, vous le faisiez quand même. Et j'entends ce mot dommage. Et j'entends ce mot dommage après pour votre personne. La carte. Alors, on insiste maintenant sur une chevelure foncée, sur une personne qui pourrait avoir les ongles manucurés. Peut-être des sourcils épais. Et on insiste également sur cet aspect, voyez, de motif, motif à carreaux. Et on me montre le signe prudence. C'est fou parce que j'ai vraiment le ressenti qu'on vous apporte des informations, mais il y a quelque chose, il y a comme un aveuglement de votre côté. Alors je suis désolée, je vais vous donner mon ressenti, c'est pas la médium qui parle, mais plutôt la personne. J'ai plutôt cette impression d'un enfant, vous voyez, qui cherche ses limites. La carte qui est tombée, c'est celle-ci. Vous voyez, quand un enfant fait, comment dire, teste les parents pour savoir s'il peut y aller ou pas, j'ai le même ressenti. Alors déjà, j'entends que la maison où vous êtes là-bas, au Portugal. Déjà, on me montre que cette j'entends énergie noire. J'entends également que c'est pollué. J'entends aussi ces mots entité et j'ai la personne et j'ai l'impression que la personne qui vous loue
les locaux ou la maison. Vous voyez, on me montre, j'entends ruban rouge. Quelqu'un qui pratique de la magie noire. Et j'entends à des fins affectives. Et en plus, le pire, c'est qu'on vous a déjà éclairé au sujet de la personne. Je regarde les cartes, mais je ne les prends pas parce qu'il y en a trop là. Je vais quand même vous les montrer rapidement. Et je vais les reprendre après. Moi, le ressenti que j'ai ici, c'est un sentiment de target. Vous êtes la target de cette personne. Et quoi de mieux que de vous faire venir dans son antre? Pour moi, c'est une femme qui a l'appartement là. Alors, je ne sais pas pourquoi on insiste sur des cheveux foncés. Je ne sais pas si c'est la couleur naturelle de la personne. On me montre au niveau peut-être des racines. Et on me parle de couleur. En plus, le pire, c'est que vous êtes déjà chargé ou peut-être que vous avez déjà des trucs à retirer. Et c'est comme si vous alliez dans la gueule du loup. J'entends qu'on vous demande de vous retirer. En plus, le truc, c'est que vous voyez, je ressens qu'il y a des gens à distance qui n'ont rien à voir avec la situation que je suis en train de vous dépeindre. J'entends qu'ils regardent vos frasques sur les réseaux sociaux et qu'ils se délectent. J'entends de votre avancée. Mais pour moi, avancer, c'est plutôt, entre guillemets, ironique, parce que quand vous voyez cette carte, pour moi, c'est plutôt ironique, parce que quand vous regardez cette carte, le monsieur ne va nulle part, là. Et il est bien au fait qu'il y a un blocage dans sa barque, mais... Voilà. Alors, je suis désolée si mon ton peut paraître, comment dire, un peu énervé ou jugeant, mais depuis tout à l'heure, mon canal est ouvert. Vous voyez, un peu comme une fréquence radio qu'on sollicite. Voilà, j'étais quand même obligée de dire au guide que bon, bah, j'aimerais bien regarder mon film. Je suis désolée, mais voilà. Alors, première carte. La deuxième. La troisième. Je vous les montre, hein, la suite. J'ai le ressenti que là où vous êtes perturbé. J'entends sur le plan du mental. Et sur le plan émotionnel. J'ai quelqu'un de votre entourage. J'entends une sœur qui vous tient à distance, énergétiquement. J'entends ce mot mollet. Pourquoi? J'entends signe distinctif tatouage. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on vous met en lumière peut-être plusieurs choses. J'entends à retirer. Et j'ai cette idée de refus, de rejet. Et en même temps, vous restez, j'entends, sous une couvade. Vous voyez, vous restez bloqué dans les énergies. Bloqué dans vos traumas. Et vous voyez, avec cet homme-là, avec la barre plombée. «
Et le ressenti que j'ai ici, c'est que les ennemis, les personnes que vous cherchez à combattre, ne sont pas les bonnes. Je ressens ici qu'on est en protection à distance d'une personne de cœur. J'entends la peau noire. Par contre, on est, comment dire, j'entends indécis. J'entends qu'on est aussi à la merci de personnes rivales. De personnes, voyez, stratégiques qui avancent des pions. Vous concernant. Et j'entends encore ce mot manipulation. Qui viennent pour la plupart de femmes que vous côtoyez, peu importe le domaine. Et on me montre, vous voyez, cet aspect de verre, j'entends aussi d'alcool et de drogue et de repas, vous voyez, que vous auriez partagé avec ces personnes. On me montre ici encore l'horloge et on me dit que l'heure tourne. Et je suis désolée de vous dire ça, mais c'est le ressenti que j'ai, que vous n'en faites qu'à votre tête, mais en même temps, vous vous plombez vous-même. La carte du dessus, c'est celle-ci. On me dit qu'on prend une dernière carte et que ça va clôturer la guidance. La carte et la dernière. Je ressens ici que vous êtes occupé, j'entends, à des préoccupations financières et professionnelles. Mais en même temps, j'ai ce ressenti que les portes se ferment petit à petit. Je monte la carte du dessus qui est celle-ci. On me montre des enfants qui sont bloqués, j'entends énergétiquement, parce que j'ai cette idée qu'on est focalisé sur d'autres choses. Et on me montre qu'un cœur est à réparer. J'ai le ressenti ici que cette personne du cœur vous tient, mais que si elle lâche ce qu'elle est en train de tenir, vous allez tomber. Je vous remontre la carte. J'ai cette idée de quelqu'un, vous voyez, qui est très patient. J'entends encore que l'heure tourne. Je ressens un désir de grossesse. Vous voyez, il y a l'enfant qui revient beaucoup. Et au bout d'un moment, on est obligé d'apporter aux personnes ce qu'elles souhaitent. Vous voyez, ce qu'elles désirent. Avec ou sans vous. En plus, j'ai le ressenti que la personne là qui est dans votre entourage, j'ai le ressenti que cette personne teste des rituels sur vous. Je vous l'ai déjà dit en plus, je crois. On me remonte encore, vous voyez, des ciseaux rouges. Et j'ai quelque chose au niveau, vous voyez, j'ai cet aspect de pied manucuré chez la femme en question là. Peut-être de bracelets ou de bijoux au pied. Ou de sandales, voyez, un peu singulières, qui sortent de l'ordinaire. Et on me dit qu'on a terminé pour la transmission. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on se dit à bientôt.